Le 4 avril 2023, Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie de Monaco, et sa femme Marie Ducruet, ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Victoire. La naissance de ce bébé est un événement très attendu par la famille Ducruet et par la principauté de Monaco. Le prince Albert II de Monaco avait annoncé l'heureuse nouvelle lors d'une cérémonie des secouristes de la Croix-Rouge à l'auditorium Régnier III. Depuis lors, tout le monde attendait de voir la petite princesse. On vous rappelle que le contenu de notre chaîne Qu'est-ce qui buzz est informatif qui concerne les actualités françaises et internationales. Bonne lecture. Ce lundi 24 avril 2023, Marie Ducruet a enfin partagé une photo de sa fille sur Instagram. La photo montre la jeune maman tenant son bébé, habillée d'un pyjama floral, contre son épaule. Marie a l'air sereine et radieuse, et c'est évident qu'elle est ravie d'être mère pour la première fois. Pour la famille Ducruet, c'est une période de grande joie, car l'arrivée de Victoire était très attendue. Louis Ducruet avait révélé que l'annonce de la grossesse avait été un moment très émouvant pour lui. Depuis l'âge de 26 ans, il avait rêvé de devenir père et était impatient de fonder une famille avec sa femme. La pression venait de partout, avec sa grand-mère paternelle, sa mère, la mère de Marie, ses deux frères et ses sœurs qui posaient régulièrement des questions sur le moment où le couple aurait un enfant. Finalement, la petite Victoire est arrivée, et toute la famille est ravie. Pour Stéphanie de Monaco, cette naissance est particulièrement importante, car c'est sa première petite fille. Elle est sans aucun doute heureuse de voir sa famille s'agrandir, et elle est fière de son fils Louis et de sa belle-fille Marie. En effet, cette naissance montre que la dynastie Grimaldi est toujours forte et que les nouvelles générations sont prêtes à perpétuer la tradition. La naissance de Victoire est également importante pour la principauté de Monaco, qui voit en elle un symbole d'avenir. La petite princesse représente l'avenir de la dynastie Grimaldi et de la principauté elle-même. Elle incarne la continuité de la famille royale et l'espoir de voir Monaco continuer à prospérer pour les générations à venir. En fin de compte, la naissance de Victoire est un événement qui est attribué par toute la famille Ducruet, par la principauté de Monaco et par tous les admirateurs de la dynastie Grimaldi. C'est une occasion de célébrer la vie et l'avenir, et de se réjouir de la naissance d'un nouveau membre de la famille royale. Voici la fin de cet article, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à la vidéo ou par rapport à des propositions, abonnez-vous pour être au courant des nouveautés tous les jours. À bientôt.